ce match qui va débuter dans quelques instants. Et nous retrouvons donc l'OGC Nice contre le FC Barcelone. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tullet. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés. Et le coup d'envoi a donc été donné. Il est passé. Obligé de reculer. Centre travaillé dans la surface. Il y a peut-être un coup à jouer. Attention, la frappe! Pas loin, mais ça ne rentre pas. Ah! Ça aurait pu faire, je ne sais pas passer loin. Bien placé sur ce long ballon. Jordan Henderson. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Il décide d'allonger le jeu. Il est parti en direction du but adverse. Il joue dans l'espace. Passe interceptée. Il ne se pose pas de questions. C'est joué long. C'est une occasion, ça! L'ouverture du score! Ça y est, ce match est vraiment lancé. C'est reparti, ça fait 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Quelle passe! Pacini, l'OGC Nice, qui réalise un très bon début de rencontre et il mène logiquement au tableau d'affichage. Il écarte, il joue sur l'aile. Douglas Costa, en retrait. Il frappe! La passe était parfaite, c'est du gâchis. Il va s'en vouloir d'avoir manqué ça, c'était une occasion en or. Bon ballon dans la surface de réparation. Allez, de la tête! Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Ce ballon bien dosé, la petite passe lobée, ouais, ça ne trouvera personne. Où les gueux ? L'OGC Nice, il mène toujours au score alors qu'on s'approche de la mi-temps. Le ballon sort des limites du terrain. Mais en face des... Il y avait de l'idée, mais le geste... Dans la profondeur et sur le côté. C'est bien... Un terme à cette première période. 45 minutes sont passées, un seul blessé, on va laisser... Une petite tasse de thé, pourquoi pas. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. Un petit but, c'est par les deux. 1-0 à la pause. On voit la... Il
et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Un bon centre dans la surface. Ses coéquipiers n'ont pas suivi. Pacini, t'es vers le poteau de corner. Et ça peut faire mal. Le bon jaillissement. L'OGC Nice qui mène toujours. Et la bonne intervention. Sur l'aile. Jeu. Encore une récupération de balle. Voilà une bonne occasion de contre. En ballon dans la surface. Dites-moi cette rencontre. C'est toujours à se mettre à l'abri. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Non, c'est bien vrai. Qui est donc pas. S'ils s'en sortent pas mal ce soir. Le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Tant qu'on le garde au but. C'était bien défendu ça. Pour trouver la. Bien servi. Oh l'aspiration! Oh ça aurait dû faire deux. Il aurait pu donner. Déçu, c'est sûr. Effectué par tu un double joueur qui tirait un peu la. Il s'impose physiquement. C'est joué long. Il marque. Il fait désormais deux buts d'avance. Et c'est la passe qui fait tout. Assurer la victoire. Un peu de sa défense. Il joue dans l'espace. Ça peut faire mal. Et pour c'était un caviar au départ. Ça démontre toute l'efficacité. Tout ce qui manquait, c'est. Il y avait danger, mais il a bien géré. Il décide d'allonger le jeu. Douglas Costa, bien servi sur le côté. Le coup de sifflet est terminé. Bon, ils nous ont régalé. Franchement, cette équipe nous a enthousiasmés. Et l'entraîneur, regardez, est bien sûr fou de joie. Il n'est pas le seul. C'était un bonheur absolu. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ?